monde, c'est Maëlys. J'espère que tout va bien pour vous avec cette semaine, on va dire, quand même assez apocalyptique, hein, avec tout ce qui se passe au niveau de la guerre. Hein. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Enfin, j'espère cependant que vous gardez un petit peu le moral quand même. Ici, bah, les gens, en fait, j'ai l'impression qu'ils vivent leur petite vie. Voilà, ils font leurs petites courses. Ils parlent de leurs prochaines vacances. Je ne comprends pas très très bien. Personne qui s'inquiète. Bon, ok, les gens font attention quand il y a des réductions de prix sur certains produits. Là, on les voit arriver en masse, mais à part ça, j'ai l'impression que, voilà, exactement, vous voyez, mon oracle, qui est plus vite que l'éclair, qui me répond déjà. Les gens ne veulent rien savoir, ne veulent rien entendre. Voilà, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, le meilleur des mondes, c'est peut-être ce qui nous attend d'ailleurs. Bon. Alors, ben, j'ai pas tellement posté de vidéos. Figurez-vous qu'à chaque fois que j'essayais de tirer les cartes, à chaque fois, j'avais des aspects d'explosion, de guerre et tout. Oui, bon, ben, ça, vous le savez, donc j'ai pas besoin de vous le redire, hein. Donc, ça m'a un petit peu cassé les pieds, je dois dire. Donc, voilà, je vais retenter ma chance aujourd'hui. Puis, en plus, aujourd'hui, c'est la mort anniversaire, enfin, plutôt l'anniversaire de la mort de ce petit jeune-là, Carlo Acutis, que vous connaissez peut-être, dont je vous ai déjà parlé. Un petit jeune homme pour lequel j'ai quand même eu un coup de cœur, son histoire m'a beaucoup touchée, pardon. Donc, il est mort à 15 ans, hein, il a été très, très vite porté vers tout ce qui est vie chrétienne, Jésus-Christ, Marie. Il a été très rapidement dans les églises, il a eu sa première communion à 7 ans. La deuxième à 12 ans, enfin, vous vous rendez compte, parce qu'il était prêt, il avait des connaissances extraordinaires, il évangélisait toutes les personnes qu'il pouvait. Il a même été, à partir de 12 ans, un expert en informatique, ouais. Il crée des sites web. Et en plus, lui, eh bien, grâce à l'informatique, grâce à Internet, il essayait d'évangéliser, de montrer les miracles de l'Eucharistie, enfin. Il avait très bon cœur, il était toujours en train d'aider son prochain, de faire des collectes pour reverser aux démunis, aux plus démunis. Enfin, vous voyez un petit peu le personnage extraordinaire. On aimerait bien que les jeunes suivent cet exemple au lieu d'aller surfer sur le porno, etc. Excusez-moi, mais c'est vraiment ça, quoi. Moi, j'en peux plus de ce monde, hein. Quand je vois les gosses, là, puisque je retourne au collège, les aider à faire leurs devoirs. Dès qu'ils sont sortis de l'école, ils sont sur leur smartphone. J'en peux plus, voilà. Ils savent pas analyser un texte. Leur texte, il est pré-mâché. On a des textes comme ça, nous, quand on était en CM1, en CM2, on avait déjà un niveau supérieur. Et puis en 6e, 5e, on étudiait Molière. Un peu après, on étudiait Racine. On étudiait des auteurs comme... Ah, attendez, je vais vous en retrouver un quand même. comme qui? Oh, comme les prix des prix de littérature. Oh là là, je ne me rappelle même plus. Attendez. Oh, ça va me revenir. Oui, voilà. Thérèse d'Esquirou, par exemple. Ça, c'est François Mauriac. Enfin, des textes bien bien compliqués, quoi. Oui, Verlaine, Rimbaud, dans ce qui concerne la poésie, Victor Hugo, enfin, tous les classiques. Et puis des textes quand même costauds, Marcel Pagnol aussi, pour les choses un peu plus légères. Enfin, bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais là, ils étudient des trucs LGBT. Enfin, moi, j'en peux plus, voilà. La jeunesse, elle est en perdition. Et je ne sais pas quel va être leur avenir, mais je le sens pas. Bon. Alors, je vais faire ma Wendy, je blablate un petit peu. Coucou Wendy, si tu m'écoutes, je te fais une grosse bise. Wendy, elle est très réaliste, elle vous dit ce qu'elle voit, alors ça ne plaît pas toujours. Je partage son point de vue en disant que là, on est parti quand même pour une destruction de tout ce qu'on connaît. Et je suis en train de travailler sur l'année 2025, puisque l'année 2024 est pratiquement finie, hein. 2025, je crois que je ne vous en parlerai pas, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine, non, c'est encore pire. Moi, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus. Voilà. Bon, ok. Alors, je vais quand même vous faire la semaine prochaine en essayant de trouver des trucs intéressants. Mais enfin, s'il me ressort encore des catastrophes, cette fois, je crois que je posterai le tirage parce que, bon, j'en ai marre, quoi. Ça fait déjà 3 ou 4 tirages que je bazarde. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la semaine prochaine en France? Alors, on va peut-être faire le France Actu aussi.
Je vous avais dit quoi, moi, la dernière fois que j'avais fait la semaine? Ah oui, je vous avais dit qu'ils allaient trouver des sous, hein, qu'ils allaient absolument chercher là où les sous s'échappent. J'avais sorti beaucoup l'évasion fiscale et puis le fait qu'ils allaient vraiment essayer de trouver au maximum de l'argent. Et puis, dans d'autres tirages, je vous avais dit qu'ils allaient s'attaquer aux retraites, enfin bref, aux petites gens, quoi, voilà. Et que eux, ils ne toucheraient pas à leurs émoluments. Je me souviens, c'est le mot que j'ai utilisé. Et ils ne diminueraient surtout pas les dépenses publiques. Et voilà, j'ai encore raison, j'en ai marre. Enfin, d'un autre côté, étant donné que c'est des psychopathes, à quoi s'entendre? À quoi s'attendre? Croyez quand même pas qu'ils vont aller sucrer leurs frais de restaurant ou leurs dépenses de voyage ou qu'ils vont diminuer leur salaire, non. Mais non. Bon, alors, ok, j'arrête mon blabla. Mais enfin, au bout d'un moment, il faut être réaliste quand même, hein? Bien, alors qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine pour la France, s'il vous plaît? Ah, ben on va encore entendre parler de la rue, la paix. Bon, bah écoutez, voilà, peut-être une bonne nouvelle enfin, hein? Ah oui, puis alors l'autre, il a reçu 3 milliards. Oh là là, il est venu faire son marché en France. Vous inquiétez pas, hein, chez nous aussi, il a reçu des sous. Je crois que c'est le même ordre d'idée. Il me semble que c'est, j'ai entendu 3 milliards aussi. Bon, ben voilà, hein, vous savez de qui je parle. Je parle de Zélie. Zélie fait son marché. 3 milliards ici, 3 milliards par là. Ça me dégoûte. Bien, alors, on va demander un petit peu l'intercession de Carlo, là. Hein. Aide-nous un petit peu, aide-nous éventuellement, pourquoi pas, au niveau de la divination, là. Alors, j'enquiquine les gens qui me critiquent parce que j'utilise les cartes. Hein. J'ai déjà expliqué 10 000 fois que c'est de l'intuition. On a tous de l'intuition, que ce sont des supports. Et on a parfaitement le droit d'explorer un petit peu ce qui nous attend, étant donné que je ne prends pas ça très très au sérieux, quoi. Hein. Bon, je ne me prends pas très au sérieux non plus. Donc je ne vois pas ce qu'il y a de mal, puisque je ne remets absolument pas en question les prophéties de la Bible. Ça, je ne me permettrai pas. Et puis, moi, je n'entends pas de voix, je ne fais pas de rituel occulte. Bon. Donc, et je sais qu'il y a des personnes qui, grâce à ma chaîne, eh bien, ont repris le chemin de l'Église, ont découvert le chapelet. Et puis surtout, on évitait de prendre la piquette. Donc, c'est une chaîne d'utilité publique, qu'on se le dise. Mais je crois que de toute façon, sur 2025, je pense que j'arrêterai cette chaîne. Parce que, à mon avis, ça ne servira plus à rien. Alors, je suis partie où là? Ben oui, on va faire quatre cartes. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? La santé. Bon, des questions de santé. Des questions d'immunité. Alors, est-ce que c'est immunité parlementaire ou c'est immunité système immunitaire? Ben, je sais pas, on va voir. Bon, là, les des menaces. C'est ça, hein, c'est les menaces. Toujours écrit petit. Ouais, c'est les menaces. Et là, ah ben, les enfants. Ben, oui, les enfants. Les enfants, les enfants, les enfants, quoi. Les enfants. Hein. Les enfants qui sont absolument sacrifiés. Ouais. Ah, je vais vous mettre sous cette vidéo une autre vidéo. Alors, moi, bon, vous en penserez ce que vous voulez, hein, mais moi, je pense que c'est pas du fake. Voilà. Vous verrez, il y a une apparition, on va dire, une apparition dans le ciel. Voilà. Une apparition dans le ciel. Vous me direz ce que vous en penserez. Moi, j'ai ma conviction qui est faite. Voilà. Et je n'en dirai pas plus. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la santé? Alors, en tout cas, des questions de santé pour la semaine prochaine. Et les questions d'école, on va regarder ce que c'est. C'est quoi ça? Une chance. Bon, alors, une chance. On va continuer tout de suite. Hein. Une chance et une pauvreté. Alors, ça ne va pas tellement ensemble. Hein. Attendez, c'est quoi cette histoire-là? Une chance. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on va encore nous vendre des trucs en disant que c'est une chance pour nous. Oui, c'est plutôt ça, oui. C'est une chance pour nous. Ils vont encore nous vendre leur prochaine piquette, que ça ne m'étonnerait pas, pour booster notre système immunitaire. Oui, non, il doit y avoir des trucs comme ça chez vous. Ah oui, je ne serais pas étonnée. Hein? Donc, des questions de santé pour votre bien. Voilà. Bon. Par contre, la pauvreté. Hein. Ouais. C'est ça, oui. Ça, je peux vous dire quand même que. En 2025, ça ressort sur l'horoscope de la France. La pauvreté. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les menaces? La menace, l'inflation. Moi, quand je fais mes courses, et pourtant, je mange pas beaucoup. Hein. Ah, je vous assure, je mange pas beaucoup. Eh ben, voilà, je suis autour des 100 euros. Je regarde, j'ai pratiquement rien acheté, quoi. Des petits trucs, quoi. Ouais. Donc, l'inflation est là. Hein. C'est une catastrophe.
Bon, enfin, ouais, c'est vrai que quand on a 10 000 euros de revenus mensuels par mois, oui, mensuels par mois, m'a dit, c'est évident. Bah oui, bon, pardon pour le pléonasme. C'est vrai que nos députés, nos sénateurs s'en fichent, je peux vous dire quand même, hein. Alors, qu'est-ce. Oh là, oh là là, la mort dans les écoles. Oh là là, c'est quoi ce truc-là? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? La faim. Ouh, ça me fait peur, ça. Bon, c'est rare que je la sorte, celle-là. Attendez, on va regarder ce qui se passe. Attends, je mets mes cartes dans le bon sens. Alors, il peut y avoir un drame dans des écoles. Ah, bah oui. Dirigeants. Dirigeants mondiaux. Alors, bon, je ne sais pas s'il va, il va me répondre là. Bon, là, j'ai les histoires de dirigeants mondiaux. Hein, toujours eux qui sont au contrôle. Bien que on nous dise l'inverse. Je les vois toujours là en 2025. Bah ouais. Ah ouais, je savais que ça allait pas vous plaire. Bah oui. C'est comme ça. Moi, je vous dis ce que je vois. Après, si ça plaît pas, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le. Bon, non, il veut pas me dire là. Bon, je vais essayer avec autre chose. Mais à mon avis, il va y avoir un décès dans une école. Alors, je peux rien vous dire d'autre. Bon. Ensuite, on a les dirigeants mondiaux, le premier ministre. Alors, vous avez compris là, l'inflation, les histoires de santé qui vont venir sur la table. La pauvreté qui s'accentue. Bon, on va regarder un peu au niveau du Premier ministre, là, avec son budget à la noix. C'est un budget, mais c'est. Ouais, enfin bref. Non, je vais m'abstenir. Non, je vais m'abstenir. Je sens que je vais l'injurier, sinon. Bon, alors. Élévation. Ah, élévation. Ah bon? Comme ça, élévation. Et les USA. Bon, mais ça, on s'en fiche. Alors. Qu'est-ce qu'il me dit, là? La hausse. Le ministre qui va s'élever. Oh là, non, les USA, on regardera après. Hein. Il y a plein de choses qui se passent là-bas. C'est quoi ça? L'armée. C'est marrant, ça sort tout le temps. Hein. Ça sort tout le temps. Ou alors, c'est on emploie la force. Ah, on emploie la force. Alors, si ça se trouve, c'est pour faire passer le budget. Ben oui, c'est peut-être pas l'armée, l'armée, vous voyez, parce que là, c'est la force. On passe en force pour élever. Moi, ça ne m'étonnerait pas que ce soit pour faire passer son budget. Hein. Ouais. Arrêt forcé. Esclavage. Bah ouais, c'est l'esclavage de la population, ça. Je crois pas que ce soit le Premier ministre qui va être arrêté. Faut pas rêver. Et là, décontestation, certainement. Et puis après, il y a les histoires d'environnement. Bon, on va pas trop en sortir, hein. Donc pour moi, j'ai envie de dire que son budget, il pourrait bien le faire passer en force, hein, puisque j'ai quand même une élévation. Donc ça, c'est quand même synonyme de progression, voire de réussite, hein. Et ça va se passer par, évidemment, des arrêts forcés, de l'esclavage. Alors c'est écrit en tout petit. Alors, faut que je reprenne ma loupe encore. Attendez, une petite seconde. Voilà, arrestation, entrave, esclavage, arrêt forcé. Ben, moi, je verrais bien, encore une fois, tous les plans sociaux qui vont arriver et tout, quoi. Ah ouais. Oui, parce que, vous savez, moi, la finance, c'est un domaine que je connais très, très bien. Hein. Alors, les histoires de budget, je connais ça aussi très bien. C'est pas comme Bruno Lunaire. Hein. C'est comme les histoires de mètres carrés, je connais ça aussi très bien. Pas comme lui. Enfin, bref. Donc, les histoires de budget. Eh bien, écoutez, je vous avais dit, hein, recettes, dépenses. Bon, ça, c'est les trucs comptables tout basiques. Pour éviter de faire trop de profits, eh ben, on va aller faire des petites provisions, truquer un petit peu, enfin, truquer. Légalement, hein, s'entend. Enfin bref, faire en sorte que le profit soit diminué en augmentation, évidemment, les charges. Je vous fais court. Donc ce qu'ont fait les entreprises, c'est qu'ils vont faire en sorte d'avoir moins de profits. Donc ils ne paieront pas ou ils paieront peu. Donc le budget, il ne passera pas de toute façon sur le long terme. Mais là, il va le faire passer en force. Voilà. Et puis, bah, comme ils seront obligés d'à un moment donné de retrouver des sous, puisque comme je viens de vous l'expliquer, les entreprises vont renâcler, ou alors voire vont se décoller, délocaliser, eh bien, ça veut dire que ça va être les Français qui vont devoir faire le complément. Voilà. Bon, après, j'ai des histoires d'environnement, donc bon, ok. Ouais, ils vont commencer à nous casser les pieds avec ça. Alors, on va regarder les USA, là. Hein. Ouais, c'est sorti, alors autant les regarder, hein. Bon, alors là, je peux rien faire là, celui-là. Quelqu'un a voilé à vapeur. Représailles, amende. Ah, bah ça peut être le PDD, là. Oui, bah oui, bon, il était bi, excusez-moi, mais enfin, bon, hein, voilà, quoi. Hein? Je ne vais pas aller épiloguer sur le sujet. Bon, on entendra sans doute reparler un petit peu, oui. À part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
une victoire. Alors, à quel niveau? Parce que c'est pas les élections encore. Moi, je suis sur la semaine prochaine, là. Hein. Ah, ben tiens, mais si, il me parle des élections. Oh non, mais j'ai dit la semaine prochaine. J'ai pas dit en novembre, là. Oh là là, c'est casse-pied. Vous voyez, en fait, pour cibler au niveau du temps, c'est très compliqué. Hein. Et ça, c'est quoi? Vote électronique. Ah, bah, c'est marrant, ça. Regardez, là, il veut me parler des élections. USA. Victoire, élection, vote électronique. Bon, on s'en sort encore une? Allez. Ah, ben, après, c'est la Russie. Bon, alors, bon. Ben, il m'en dira pas plus, là. Je sais pas. Il y a des choses par rapport aux votes électroniques. Mais c'est marqué falsification, là. C'est écrit en tout petit, hein. Je suis d'accord avec vous, mais c'est marqué falsification. Élection, falsification. Fraude. Ah, j'avais pas vu. Ah, ben, ouais, il faut mettre les... faut mettre la loupe, hein, je vous assure. Hein. Fraude. Bon, c'est à quoi s'attendre, alors, hein. Par contre, il m'a pas donné qui, hein. Ah, non. Bon, j'ai quelque chose avec la rue encore la semaine prochaine. Ou bientôt, parce que du coup, au niveau du temps, moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là? Dégradation climatique. Oui, non, là, j'aurais rien d'autre. Hein. Non, là, le jeu, il est fermé. Hein. Je l'avais déjà dit. Hein. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y aura des fraudes. Voilà, ça, c'est sorti, c'est sûr. Bon, mais au niveau de la victoire, ben, je ne sais pas. Et puis, dégradation climatique, oui, c'est tout ce qui se passe. C'est pas que les trucs dans le ciel, hein, c'est aussi le fait qu'il pleuve beaucoup et tout, hein. Bien. Donc on va entendre parler de la Russie, la Ruru et des USA, certainement de la tempête là-bas. J'ai rien de transcendant quand même, hein. Non. J'ai rien de transcendant. Bon, sauf les histoires de budget là. Allez, petit Carlo, inspire-moi un petit peu. Ah oui, je ne vous ai pas dit, au fait, pour Carlo, il est mort à 15 ans d'une leucémie foudroyante. Hein. Moi, je suis persuadée que les personnes saintes, donc vraiment très pures, hein, ne restent pas très longtemps sur cette terre. Parce qu'ils n'ont plus rien à apprendre. Hein. Voilà. Donc, lui, il avait fait le job. Donc, Jésus a dit, bon, ben voilà, c'est bon, tu peux venir maintenant à la maison. Voilà, c'est ce que je pense. Hein. Bon, on est là pour préparer notre ciel, n'oubliez pas. Hein. N'oubliez pas, faudra quand même que je vous prépare par rapport à ce qui va arriver, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas, non. Donc, cher Carlo, inspire-moi éventuellement pour les événements de la semaine prochaine. Et puis, tu m'aideras à préparer ma communauté à tout ce qui va arriver, parce que là, ça va, comment dirais-je? On va avoir des changements énormes, voilà. Bon. Tout ce que je peux vous dire, mais c'est pas forcément comme vous le pensez dans le bon sens. Ben non, c'est pas ça que je vois, moi. Alors, ben tiens, justement, ah ben voilà, regardez, Carlo me répond. Il me dit oui, il faut se préparer. Vous voyez? Ah ben c'est bon, moi je peux rien. Hein. Je lui ai demandé, je lui dis il faut se préparer. Et ben il me dit oui, il faut se préparer. Voilà. Alors en dessous, on a des histoires encore contre les femmes. Ça va malheureusement continuer. Alors, il faut que je vous dise que j'ai fait une vidéo il y a, je crois, quelques semaines de ça, qui s'intitule « Pourquoi les féminicides vont continuer » que je n'ai pas postée parce que je me suis dit qu'elle était trop dure. Si vous voulez la voir, je vous donnerai le lien pour la visionner. D'accord? Bon. Mais c'est pas une vidéo, qui peut, comment dire, qui peut plaire à tout le monde ou que tout le monde peut avoir envie de visionner. Donc, je suis sincère et honnête avec vous. Je vous le dis, la vidéo, elle est uploadée, mais elle n'est pas visible. Donc, si vous voulez que je vous donne le lien, bah, voilà. Je vous mettrai sous la vidéo, puis ceux qui auront envie iront voir. Bon. Elle sera quand même monétisée parce qu'il y a quand même du boulot derrière. Hein. Bref, en tout cas, au niveau des femmes, ça va continuer. Au niveau du Liban aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre, petit Carlo? Les ressources, on va nous faire tout un cinéma, comme quoi il y a des manques de ressources, alors à tous les niveaux, hein. Voilà. Alors, ensuite, il y a la sur-sang, ah, pardon, excusez-moi. Voilà, ne rien dire, célébration. Alors, des choses qu'on célèbre, mais on n'a pas le droit de le dire. Bon, c'est pas exactement ce que ça peut concerner. Ah ben tiens, regardez, ça parle bien de lui. Hein. Alors l'Italie. Ah oui, parce qu'il se passe en ce moment, il y a le synode. Hein. Ouais, ils sont en train de changer beaucoup de choses. Hein.
Alors, c'est pas pour tout de suite, hein, si j'ai bien compris, ce sera en 2025. Mais c'est très, 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 très important puisqu'ils sont en train de préparer la nouvelle religion mondiale. Ça fait longtemps que je vous le dis, hein. Mais bon, moi, j'ai l'impression, parfois, je dis des trucs et puis ça sert à rien. Pourtant, s'il y a un truc à retenir, c'est qu'il y a une nouvelle religion mondiale qui arrive. Bon. Et là, bah, sympa, Carlo. Il me dit que carrément, c'est l'apocalypse, voilà. Avec les grèves, manifestations, ici, on continue un petit peu. Le crash, voilà, pour les enfants qui sont maltraités. Pas besoin de vous dire les trucs pandas. Et puis, on va peut-être arrêter là quand même. Oui, et voilà, eh ben, le réfléchir parce qu'il y a le contrôle mental qui arrive. Bon, merci Carlo. Beaucoup de choses qui sont sorties. Hein. Ah oui. Il vous a donné, par mon intermédiaire, beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la semaine prochaine, cher Carlo? Alors, j'avais proposé, excusez-moi, il y a une carte qui s'est retournée, donc je vais prendre sur moi, je vais hop, je vais la retourner. Puis là aussi d'ailleurs. Je vous avais proposé de vous envoyer la neuvaine de Carlo. J'ai eu que deux demandes. Moi, je ne sais pas, mais c'est quelque chose que je vous fais gratuitement, quoi. Hein, si vous voulez prier en sa compagnie et demander des grâces à ce petit jeune homme qui est encore pas trop connu. Donc ça peut être intéressant parce que ça voudrait dire qu'il aura peut-être plus de temps pour vous, pour ceux en tout cas qui feront l'effort de le prier. Alors petit coucou à Cindy, qui je sais qu'elle aime beaucoup Carlo. Donc Cindy, votre petit dépliant, il est en route, hein. Vous allez le recevoir. Ah, Sylvie m'a demandé la neuvaine. Il y a encore une autre personne à qui je me dépêchais de l'envoyer. Et puis bah, les autres personnes, si vous voulez, moi je vous l'envoie gratuitement. Je prends même les frais de port à ma charge, c'est vous dire, hein. Bref. Faites-le, hein, je veux dire. Bon, alors, Carlo, j'arrête de blablater. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour la semaine prochaine, cher petit Carlo? Alors, la foudre, oui. Les enfants, les bébés. Ouais. Bah ça, il nous dit que c'est ce qui se passe dans certains pays. Hein? On va peut-être pas donner des noms de pays. Je pense que vous arrivez à lire. This is genocide. Alors, je suis obligée de le dire comme ça, hein, pour éviter d'être striké, d'accord? Notamment concernant les enfants, voilà, la foudre. Donc ça continue. On va pas dire les noms. Ouais, d'accord. Et je peux vous dire que là-haut, ils sont en train de se dire non, mais ça va pas continuer comme ça, là. Et je peux vous affirmer, je peux vous assurer, avec toutes mes connaissances astrologiques, ça fait longtemps que j'en fais quand même, hein, qu'il y aura des conséquences sur la planète et il y aura une punition. Voilà. Parce que ce qui est en train d'être fait contre alors les enfants à tous les niveaux, hein, pas que dans certains pays, absolument à tous les niveaux, et en Europe, surtout en Europe, eh bien, ça ne restera pas impuni. Voilà. Et c'est ce que Carlo veut nous dire. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, peut-être pour nous, la semaine prochaine? Alors, fuir. Repentance. Vous voyez, c'est vraiment lui, hein. La repentance, les rivalités. Oui, donc là, il nous dit qu'il faut aussi. Alors, on va regarder la rivalité. J'allais dire, il faut oublier nos rivalités. Oui, bon. Ouais, ça peut être ça, mais on va aller recourir, en tout cas, regarder la repentance. Hein. Voilà. Alors, le repentir, c'est ben, faire son mea culpa, aller en confession. Prenez l'Eucharistie aussi longtemps qu'elle est encore disponible, parce que ça aussi, ça va être supprimé, certainement en 2025. Donc on n'a plus beaucoup de temps. Alors, pas tout de suite, parce que le synode, je crois qu'il doit donner ses nouvelles orientations vers le mois de juin, il me semble. Hein. Mais ça ne laisse pas tant de temps que ça. Hein. Donc, moi, je vous dirais vraiment, allez-y. Hein. Alors, il va nous dire, pourquoi... pardon, je vais lui demander, pourquoi est-ce qu'il faut fuir? C'est quoi ces histoires de rivalité? Le G20, bon, ok. Et là, les ONG. Rivalité. Tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu veux me dire là ou est-ce que c'est d'autres choses? Des histoires de d'aide alimentaire. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les apparences. Ah oui. Bon, alors les histoires des aides alimentaires, apparemment, c'est que du bluff. Hein. Ouais. Bon. Je pense que la rivalité, c'est les deux camps en présence. Hein. Vous savez que bon, il y a une guerre entre deux camps. Hein. Je l'ai déjà dit, ça. Le nom 1, le nom 2. Bon, voilà, quoi. Hein. Et que c'est peut-être ça qu'il veut me dire. Refus.
Ouais, ils sont pas d'accord entre eux, moi je pense. C'est pour ça qu'il y a tellement de comment dire, de guerre. Voilà, ils sont pas d'accord entre eux au niveau du partage du gâteau. Le gâteau étant la terre. Hein. Bon. Oui. Et puis alors c'est amusant parce que vous avez les bleus, les rouges. Hein. Bon, ça c'est pour les US, mais là je parle vraiment au niveau mondial. Hein. Il y a quelque chose. Donc il faut pas trop attendre de choses de la part des politiques. Ne faites confiance à personne. J'ai fait un tirage que je ne peux pas là aussi vous poster parce que vous n'êtes pas prêt. Je peux pas tout vous dire. C'est des choses que je peux pas vous dire. Mais au niveau des dirigeants mondiaux, à mon avis, ne croyez pas que vous connaissez les personnes qui nous gouvernent. Vous ne savez pas qui nous gouverne. C'est pas ceux qu'on croit. C'en est d'autres. Enfin bref. En tout cas, il y a des rivalités. Qu'est-ce qu'on a sur fuir là? La Chine, oui, bon, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La violence. Bon, là, il nous dit qu'il y a quelque chose avec la violence. Après, j'ai le G20, l'histoire de la Chine, bon, on s'en fiche un peu. Mais là, j'ai quelque chose avec la violence qui arrive. Fuir la violence, oui, ça peut être ça aussi, hein. Et la nature, qui est absolument à protéger. Carlo était un fervent défenseur des animaux. Et dès qu'il voyait de la maltraitance, il s'interposait. La maltraitance des animaux. Hein. C'est que les enfants peuvent être odieux avec les animaux. Donc lui, il arrivait tout de suite. Et puis, voilà. Il faisait vraiment ce qu'il fallait pour que l'animal. Enfin, comment dire, pour que la personne qui maltraitait l'animal soit remise à. Enfin, remise, comment dire, à l'ordre, j'allais dire. C'est ça, on peut dire ça, Carlo? Je ne me rappelle même plus, moi. Enfin bref, vous avez compris. Mais là, j'ai quand même fuir la violence et la nature. À moins qu'il veuille nous dire qu'il y ait quelque chose au niveau de la nature qui va, la nature qui va faire quoi? Il y a quelque chose au niveau de la nature, Carlo? Les serpents. Non, il y a quelque, ouais, il y a des choses qui se passent au niveau de la nature. Oui. Il y a des bidouillages qu'ils ont fait au niveau de la nature, là. C'est ce qu'il veut dire, je crois. Cinéma. Oui, il y a des. Vous savez, tous les tremblements de terre et tout. Moi, je me demande si c'est pas provoqué, tout ça. J'ai quelque chose. Ouais, voilà. Merci, Carlo. C'est pour. Ouais, c'est ça. En plus, c'est marrant parce que c'est le tirage que j'avais fait que je ne vous ai pas posté. En fait, c'est fait pour détruire tout ce qui est agricole. Vous savez, les surfaces où les plantations peuvent pousser. Voilà. Donc, tout ce qui est provoqué actuellement, à tout niveau, au niveau de la Terre, on nous dit vraiment que c'est provoqué, c'est du cinéma. C'est fait pour, en fait, pour faire en sorte que les êtres humains, à plus ou moins longue échéance, ne trouvent plus rien à manger. Je vous l'ai déjà dit ça. Hein. Donc là, il va trop pleuvoir et là, ben, il va y avoir une sécheresse. Ouais. Près de vous, hein. Je vous assure. Hein. Ce n'est pas des paroles en l'air ce que je vous dis. Alors, ceux qui disent encore que je fais peur et que tout va aller bien dans le meilleur des mondes, bah ben, n'écoutez pas. Moi, je ne vous oblige pas. Hein. Bon, encore quelque chose pour nous, petit Carlo. Ou alors c'est pas la semaine prochaine, ça, je suis désolée. Hein. Non, je suis partie au plus long terme là. Ah oh, ben. Voilà. Merci. Ah, il est gentil ce petit jeune, hein. Oui, il nous dit que c'est lui actuellement. Ah oui, d'accord. Puis alors, ça va bien ensemble, hein? Alors, pour ceux qui m'écoutent en podcast, vous avez The Devil, ou également les rituels, voilà, avec les démocrates. Ouais. Et alors? La foule, oui. Qu'est-ce que tu veux nous dire d'autre? Guide ma main. La paix et la liberté. Ouais, c'est-à-dire que les gens veulent la paix et la liberté, hein. Mais la paix, oui, elle reviendra, mais elle ne durera pas longtemps. Non, parce que c'est comme ça. Voyez, on ressort encore, hein. La stérilité et la sécheresse. Donc il y a vraiment un avertissement de sa part. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce dévol-là? Qu'est-ce que tu veux nous dire sur lui? Oui, d'accord. Bon, on va avoir aussi un problème d'essence. Hein. Oui, donc problème de nourriture, problème d'énergie, très certainement. Je peux en tirer trop non plus. Ah oui, puis ça aussi. Oui, donc tout là. La totale, quoi. Voilà. Les ballots qui sont toujours à la manœuvre. Je vais vous mettre une autre vidéo que je viens de voir hein, par rapport aux découvertes des ballots, ce qu'ils sont en train de nous préparer. Destitution. Alors, de qui il y a destitution, Carlo? Pourquoi il y a destitution?
Les singes. Ça peut être les ballots, justement. Ah, décidément. Oh, bah alors, ouais, alors, destitution, ballot, les singes et les reptiliens. Oui, alors ça, c'est les singes dans les labos, hein. Pardon, dans les ballots. Impeachment. Oui, il faut les empêcher. Oui, il faut les empêcher. Il faut les empêcher de faire leurs expérimentations. Bah oui, mais comment tu veux qu'on les empêche? Nous, on n'est pas assez puissants. Les gens, ils n'ont rien compris de ce qui se passait il y a 3 ans. Moi, ils continuent de dormir aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Patience. Bon, alors, il nous dit d'être patient, que les reptiliens finiront par être... détruits, quoi. C'est ça? Ouais, vous voyez, en fait, ouais, bah, voilà, on est bien connectés, Carlo et moi, parce que j'étais en train de vous dire que les gens continuaient de dormir, et vous voyez, il me dit, les gens sont mous et influençables. C'est vrai. Il faut les réveiller, les gens, mais on ne sait pas comment. La royauté. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Bon, ok, on s'en fiche. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, là, sur les reptiliens, là, petit Carlo? L'ONU. Oui, bah, ça, on s'en doute bien. Et quoi d'autre? Les scandales, oui. Mais est-ce que tu peux nous dire d'autre? Non, je crois qu'il ne dira rien d'autre. Il nous dit simplement, là, il faut attendre. Ils seront empêchés, mais il faut attendre. Bon, après, je dis scandale et tout. Est-ce que tu peux nous dire autre chose? Si éventuellement Jésus pouvait te donner quelques infos. Que nous, moi, que je puisse leur donner. L'Arabie Saoudite, oui. Donc, il fallait regarder par là. Et quoi d'autre? Les US, oui, d'accord. Il faut vraiment regarder ce qui va se passer, hein. Le Moyen-Orient et tout, hein. Ah ouais. Dispute, affrontement. Bon, bah voilà. Merci, Carlo. Donc oui, effectivement, il y aura des futurs affrontements. Les pays arabes. Je suis étonnée de ne pas avoir sorti un autre pays, d'ailleurs. Non. Mais par contre, ça va arriver. Bon, ok. Alors, c'est pas tout de suite, hein. Ça, à mon avis, c'est dans les 2 ans. Bon, pour les reptiliens, vous avez vu, ils seront empêchés. Mais avant ça, ils vont nuire, hein. Ah ouais, ils vont nuire. Bon. Est-ce que tu veux bien me parler encore un petit peu? On va prendre. Ah bah, excusez-moi, j'ai tout fait tomber. Mon oracle à moi. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ma petite communauté qui, je suis sûre, va se dépêcher de te suivre? En tout cas, ceux et celles qui ne te connaissent pas. Je suis très 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 heureuse d'avoir toujours des témoignages de personnes qui me disent « Ah, j'ai suivi votre conseil, j'ai fait un pèlerinage, ça m'a fait beaucoup de bien, je me suis remise à la prière, je fais le chapelet. » Vous vous rendez pas compte que c'est au moins pour moi, eh bien, un petit peu la confirmation, ou on va dire l'assurance que j'ai bien fait de faire cette chaîne, quoi. Parce que je peux vous dire que des injures, j'en ai eu quand même. Hein. Ah ouais. J'en ai eu. Mais au moins, si cette chaîne a servi, comme je vous l'ai dit, à vous remettre un petit peu vers la voie, pardon, de la vraie spiritualité, parce que faites gaffe au New Age, il y a plein de bêtises, que des bêtises d'ailleurs, eh bien, au moins, j'aurais pas perdu mon temps. Alors, le pacte avec le diable. Oui, bon, bah, on est d'accord, Carlo, on est d'accord. C'est en préparation. En tout cas, oui, il est en train d'être consolidé. Et oui, alors Carlo voulait vraiment que je... Voilà, cette carte-là et cette carte-là, ça, c'est l'Antéchrist. Et ça, c'est Marie qui a vaincu le diable. Excusez-moi, tout est tombé. Comme d'habitude, hein. Comme d'habitude. Mais ça, c'est lui, hein. Ah, c'est lui, hein. Il voulait vous montrer cette carte-là. Enfin, ces cartes-là. Bon. Donc, du coup, j'en étais où, moi? Voilà, le pacte avec le diable. Voilà. Hein? Bon. Donc, c'est là, hein. Bah, de toute façon, vous voyez bien qu'il n'y a rien qu'à bouger. On a beau dire, faire remonter des vérités, clamer haut et fort ce qui s'est passé il y a 4 ans, ça ne ressort pas. Et moi, je vous ai dit que ça ne ressortira pas. Ou en tout cas, très peu. Voilà. Vous irez voir la vidéo que je vous ai mis en dessous, cette vidéo-là. Vous verrez. C'est avec Karl, vous savez, le Karl avec un zéro comme ça. Voilà. Alors, mon petit Carlo, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre pour ma communauté, un petit peu pour la motiver, voilà. Le gène humain, l'identité humaine, le repentir, oui, ça ressort, hein, je suis bien connectée avec le petit, hein, ouais. La triche, et éventuellement les gens qui sont un petit peu insouciants. Vous voyez, c'est le temps du repentir, hein. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur le génome humain?
Allez, inspire-moi un petit peu, Esprit Saint et Carlo. Là, il y a une idéologie en relation avec l'être humain. Ouais. Bon, ben, je vous dis, hein, ce qui s'est passé avec les enfants, et je vous ai dit à tous les niveaux, notamment les trafics d'enfants, c'est cette carte-là. Hein. Les enfants ne sont pas à vendre. Comment c'était dans le Sound of Freedom, les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Ben voilà. Vous voyez, il y aura des conséquences. C'est surtout, en fait, pas vous et moi, parce qu'on n'a rien à voir dans ce trafic, mais ce sont les gens qui sont plus ou moins en relation avec ces histoires d'enfants. Ça peut être aussi les placements d'enfants, hein. Enfin bref, tout ce qui est en relation avec les enfants, eh bien, eux, ils ont intérêt à se repentir. Et c'est vite fait, hein, vite fait. Hein. Bon, là, on nous dit qu'il y a des départs. Ouais, il y a de la triche. Attendez, on va regarder un petit peu ce qu'il veut me dire. J'ai une petite idée, mais je vais quand même essayer d'approfondir. Oui, c'était quoi ça? Du coup, je n'ai pas après. J'ai pas. Ça, c'est les devoirs à l'étranger. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux me dire là? Là et là. Et puis là. Ouais. Bon, ben, ça ne peut pas mieux sortir. Ça ne peut pas mieux sortir. Idéologie de changer le génome humain par le biais de la piquette. Voilà. Et ça, c'est en préparation. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? La mort. Ah oui, on triche, on fait partir des gens par la mort. Bon, ça, c'est la dépop. La dépop, vous voyez? Et puis le reste du mot, c'est ulation. Vous avez compris, hein? Ouais, donc c'est toujours pareil, c'est le diable qui triche pour faire partir les gens en masse. Enfin, voilà, en gros volume, oui. Vous avez compris. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah voilà, le tremblement de terre. Hein. Je crois que c'est un petit peu l'insouciance. Ça, normalement, c'est la carte du tourisme. Hein. Moi, je pense que ce sont les gens qui n'ont pas assumé leurs obligations envers les enfants. Vous voyez? Là, il va y avoir punition divine, de toute façon. Hein. Il y a punition divine. Bon. Pour ma communauté, s'il te plaît. Oui, donc voilà, il faut alerter les alerteurs. Hein. Bon, quoi d'autre? Attention à tout ce qui est dark web et tout, les réseaux. Oui, les réseaux. Ah oui, d'accord. Non, on est surveillé sur les réseaux. C'est ce qu'il est en train de me dire. Oui, d'accord. C'est ça? Les alerteurs sont surveillés sur les réseaux. Oui. Bon, ben, d'accord. Alors, il y a des champs qui vont être éjectés. C'est qui cela? Oui, il nous dit que là, au niveau du monde, c'est vraiment une guerre entre deux camps. Qu'il va y avoir beaucoup de gens, de personnes qui vont partir, qui vont être éjectées. Bon. Voilà, parce qu'il y aura certainement des nouvelles alliances qui vont être formées. Tout ça, c'est technique, enfin, c'est en préparation, enfin, ça va se faire. Oui, bon, d'accord. Donc, en fait, changement au niveau mondial, hein, avec des nouvelles alliances. Des mesures qui vont être prises, tout ça. Autre chose encore? La résistance. Bah, son vœu, c'est que les gens résistent. Il aimerait que les gens se battent, que les gens résistent, notamment pour les valeurs. Vous voyez, la fleur de lys, hein, les valeurs. Bon, là, c'est pour la France. Les valeurs chrétiennes, j'ai envie de dire, hein, la fleur de lys. L'as dans la manche, oui. Oui. C'est ça, il faut éliminer les consciences, c'est notre as à nous, c'est notre carte secrète à nous, c'est l'illumination des consciences, c'est l'Esprit Saint aussi, il faut vraiment prier, moi je fais bah, tout le temps, hein, tout le temps, c'est-à-dire que vous pouvez prier en mettant ça un petit peu comme une espèce de décor derrière vous, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas forcément au premier plan de vos pensées, mais c'est toujours dans votre tête. Vous voyez ce que je sais pas si je, oh, je sais pas si je vais me faire comprendre là. C'est-à-dire que vous devez essayer d'avoir une espèce de relation à Marie ou à Jésus ou même à un autre saint ou voir à votre ange gardien, pourquoi pas. Mais ça doit être de façon permanente. Voilà. Il faut essayer d'avoir le lien pendant que vous épluchez vos carottes ou vous passez l'aspirateur. Essayez d'avoir cette espèce de connexion là. C'est très important. C'est ça qu'en fait il est en train de me dire. C'est ça notre as dans la manche. Ouais, parce que, vous voyez, ce qui nous attend, c'est la fin de l'humanité, là. Oui, et les criminels qui vont avoir la justice pour eux.
Oui, je sais bien, Carlo, tu as tout à fait raison de nous le dire. Hein. On ne sait pas où on va là, mais on y va. Oui. Et quoi d'autre? Ben, on va. On sait pas, on ne sait pas où on va, mais en fait, on va vers le Titanic. Hein, voilà. Ça va crasher. Oui. Voilà. Et ça va être à cause. C'est marrant, hein, mais c'est vraiment ce que je vous ai toujours dit. Ça va être parce que il va plus y avoir d'argent. Et en fait, quand vous regardez le. Je me dépêche, merde, ça fait 40 minutes. Oh là là. Quand vous regardez le tableau du prince Charles. Pardon, du roi Charles. Eh bien, dans son tableau, il y a un avertissement qui dit que ce sera à partir du moment où il y aura la crise financière qu'il y aura le chaos qui sera libéré. C'est ça. Bon, je finis vite. Alors, Carlo, encore autre chose? Puis après, on va se quitter, mon petit gars. Hein? Oui, on perd financière. Bon, ça, il me confirme. Et pour nous? La victoire du peuple. L'eau qui déborde. Oui, les gens vont croire qu'ils vont gagner, mais en fait, ils vont pas gagner, c'est ça. Dernière pour nous, vite, vite. La connaissance. Vite, il faut acquérir les connaissances, il faut comprendre ce qui se passe. D'accord. Merci, Carlo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas sorti de la carte, donc c'est comme ça. Là, il nous avertit encore de catastrophes naturelles. Voilà, donc c'est les messages de Carlo. Donc, illumination intérieure. Maman Marie, elle était sortie, elle était tombée tout à l'heure. Il nous donne plein, plein de conseils. Et puis, je vais vous laisser parce que je suis une grande bavarde, que ça fait déjà 41 minutes. Voilà, à bientôt. Au revoir.